Alors aujourd'hui, le poteau noir. Oh, voilà, chapalin. C'est quoi, c'est une recette? C'est pas une recette, c'est un endroit, tu vois, sur l'image où il y a des gros nuages. Plus ils sont en altitude, plus c'est rouge foncé. Et plus les rafales peuvent être violentes dessous. Donc en fait, on est en train de passer à... C'est une zone qui permet de passer aux alizés de l'hémisphère nord, aux alizés de l'hémisphère sud. Mais les deux se rencontrent à cet endroit, le long de l'équateur, au nord de l'équateur. Et donc ça converge, ça crée une zone de convergence parce que les deux alizés arrivent comme ça. Et l'air chaud, du coup, il monte et ça fait des grosses masses nuageuses. Orages, pluie, rafales, etc. Et là, on est en train d'arriver à côté d'un classe 40 qui m'appelle à la VHF. Je vais lui répondre. Merci, bonne course aussi. Merci. Oh, bah, tu peux entendre la photo qui est là, il y a toute la merde. La largeur, on va voir. Sorti du tout. Ça s'est reformé devant nous et je pense qu'il n'a pas fallu grand chose pour que on arrive à accrocher la même chose que les autres. Mais non, il s'est fallu d'un nuage, un gros nuage, il y a plusieurs kilomètres. Ouais, c'est beaucoup d'efforts pour beaucoup de frustration. Quand on est rentré dedans hier déjà aux images, on voyait des trucs très rouges, des trucs comme ça là, avec des sommets très hauts. Mais bon, tu te dis ça va être la même chose pour tout le monde, donc il va y avoir une certaine équité, mais non, il n'y a pas d'équité.